Concurrent redoutable, le Brésilien Diego Hippolyto, il a 20 ans, il est le champion du monde en titre de la discipline. C'est un phénomène. Et il arrive après s'être classé deuxième aux internationaux de France à Lyon. C'est un phénomène au sol, regardez cette puissance et cette précision dans la réception. Très rapide également. Alors twist double carpé en avant, ensuite tempo, double vrille et demi, vrille. C'est propre. Double vrille avant suivi de salto avant tendu. À chaque compétition, il présente pratiquement un programme différent tellement son bagage est important. Triple vrille sur le côté. Allez, la finale. Et c'est un twist double avant groupé. Et écoutez, c'est nettement au-dessus. Diego Hippolyto qui, en quelque sorte, vient de tuer quasiment la compétition au sol. Ah oui, là, il a vraiment marqué son passage. Ce qui est impressionnant chez ce gymnaste, c'est son accélération et sa précision dans les réceptions. Regardez, c'est carré, c'est net, il n'y a pas d'hésitation. Die ersten Siege beim Weltcup 2004 in Glasgow holte und Gent und la double vrille et demi, vrille avant et vrille. C'est parfaitement maîtrisé, un 15-700 pour Diego Hippolyto.